Salut, c'est Putaclic et bienvenue sur ce top 6 des concerts les plus what the fuck. Et oui, la musique c'est un truc qui s'exprime sur scène. Parfois un artiste se donne tellement qu'il parvient à prendre au triple les spectateurs présents, et puis parfois ça vire un peu au n'importe quoi. Et dans ces cas-là, heureusement que YouTube est là. C'est pour ça que je déconcoctais ce top 6 des dérapages lors des concerts. Avant de débuter, je vous invite bien sûr à bombarder la barre des likes pour me faire savoir si ce sujet vous a fait cliquer. On commence de suite à la première place avec Alice Cooper, un rocker renommé surnommé The Prince of Darkness, et on comprend pourquoi quand on le voit. Un soir de 1969, en plein concert, un poulet vivant venu du public arrive à ses pieds, et tout ce que ce pauvre Alice va trouver à faire, c'est de le renvoyer d'où il venait. Autant vous dire qu'il restait pas grand chose de la volaille et que c'est pas Brigitte Bardot qui a applaudi. Mais sans le savoir, il venait d'inventer le KFC, hein. On passe à une autre icône du rock et à un autre animal avec Ozzy Osbourne, le chanteur du groupe Black Sabbath, qui en 1982 reçoit lui une chauve-souris venant du public. Pensant que c'est une fosse en plastique, il joue le jeu et arrache la tête de l'animal avec ses dents. Sauf qu'il n'y avait rien de faux là-dedans, et qu'en plus de s'excuser auprès de la défense animale, Ozzy Osbourne a dû se faire vacciner contre la rage. Ça lui apprendra à pas faire cuire ses aliments. On avance de 10 ans pour arriver à un concert de Metallica en 1992 à Montréal au Canada. La musique pétait le feu, le public était chaud bouillant et le chanteur aussi apparemment, puisqu'en se frottant d'un peu trop près aux effets pyrotechniques de la scène, il a réussi à se brûler au bras et à la jambe en plein concert. Mais bon, c'est pas une petite brûlure qui arrête les Masters. Pour la quatrième place, on se retrouve avec un groupe de rock féminin, les L7. Et je peux insister sur leur féminité car un soir, lors d'un concert, la chanteuse qui devait se débarrasser les poches, hein, apparemment, a trouvé un tampon usagé et n'a rien trouvé de mieux à faire que le jeter dans le public. Je sais pas si la personne qui l'a reçu était vraiment contente de ce cadeau. Continuons avec l'homme, que dis-je, le prodige de YouTube qui a réussi à obtenir plus de 6 millions de dislikes sur une seule vidéo, Justin Bieber. Après avoir beaucoup trop bu, le pauvre a dû vomir sur scène alors que son playback continuait, dévoilant ainsi la supercherie. Pardon, il a bu quoi ? Bah du lait, tu l'as pris pour qui? T'as cru que c'était un bonhomme ou quoi? Et enfin, partons en Espagne, à Barcelona, avec Lady Gaga qui elle a renvoyé une paella entière pendant un concert. Et oui, peut-être qu'elle ne boit pas de lait, mais la cuisine espagnole, ça lui réussit pas.